veut centrer. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief du Sainté Night Club du lundi, le lundi à 21h, en espérant que tout se passe correctement au niveau de la technique ce soir. On est très heureux de vous retrouver malgré la défaite de ce week-end. On est là pour parler de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, à commencer bien sûr par le match du week-end, le match qui opposait un mastodonte du championnat de France, le club le plus titré du championnat, à un club qui pourrait éventuellement rejoindre un autre championnat sans avoir atteint les 10 titres que nous avons gagnés. Nous sommes en compagnie ce soir de Pierre de Saint-Inside. Bonsoir Pierre. Salut tout le monde. Comment ça va? Tout va bien. Enfin, ça pourrait aller un peu mieux, mais on va en parler dans quelques instants. Ça aurait pu aller mieux avec une victoire ou le match nul qui est passé si proche. En compagnie également ce soir de Sylvain de Green Prospect. Comment ça va Sylvain? Écoute, ça va pas mal. On s'attendait à un week-end plus difficile et puis même si on a eu une fin qui aurait pu être meilleure. Ça nous a fait vibrer en tout cas et ce soir on a deux invités avec nous. On a About Sainté, un jeune supporter qui comme beaucoup d'entre nous n'a pas vécu la finale de Coupe d'Europe mais qui prouve que l'attachement au football n'est pas réservé aux grandes puissances. Bonsoir About Sainté, bienvenue au Sainté Night Club. Bonsoir à tous. Très impatient de commencer et oui en effet j'ai pas connu ça hein. Et non mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas là t'inquiète pas. On a également comme invité Alexis alias Madista qui montre avec son pseudo qu'on peut préférer Camara à Neymar, qu'on peut préférer Tavlaridis à Virgil van Dijk ou encore Geoffrey Dernis à Kevin De Bruyne. Comment ça va Madista? Bonsoir à tous, et je peux préciser aussi qu'on peut acheter des monnaies paquets, c'est disponible à la boutique, vous pouvez les acheter. Donc très heureux de débattre ce soir avec vous et d'essayer de débattre sur le match de Miguel Troco et de Romain Mouma, ça va être compliqué mais on va essayer. Bien sûr, et on n'oublie pas dans les tribunes la magnifique banderole, on a pas un paquet de monnaie, mais nous on a monnaie paquet qui est ressorti avec le débat sur la Super League de ces derniers jours. Et puis enfin, bien sûr, on a Kevin parmi nous qui fera le relais avec le chat, puisque pour nous, le lien avec les supporters et les amoureux du football est plus important que le lien avec les banquiers d'affaires. Bonsoir Kevin. Salut à tous, toujours là. On va faire remonter les infos, donc n'hésitez pas à interagir un maximum dans le chat. Je ferai remonter tout ça dès que la parole sera mienne. Bien sûr, et j'ai le chat aussi juste à côté de moi, donc bien sûr, on vous lit supporters des Verts, et on va commencer tout de suite avec le débrief du match de ce week-end. C'est parti. Alors on va commencer messieurs avec une petite analyse globale et qui va être englobée dans les tops et les flops pour vous de ce match contre Paris ce week-end. Alors on a eu un scénario assez fou mais globalement vous si vous deviez retenir un top sur ce match, on va faire un petit tour de table pour commencer. Qui est-ce que vous garderiez? About Sainté, tu garderais qui toi si tu devais garder un top sur ce match? Un seul, je garderai Cissé, qui a été comme d'habitude très solide dans les duels, mais qui s'est aussi beaucoup plus appliqué que d'habitude à la relance, j'ai trouvé. Donc ouais, match costaud. J'aurais pu citer Bouanga aussi, qui a fait une bonne entrée, mais je vais rester sur Cissé. Putain, on a failli avoir un Bouanga en top, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais Cissé, je pense qu'on va être pas mal d'accord là-dessus. Madista, toi, tu garderais qui en top? Bon, moi j'aurais bien mis Cissé aussi, mais pour être un petit peu original, je vais parler de Zaïdou Youssouf. J'ai beaucoup aimé le match de Zaïdou Youssouf, qui a été très juste techniquement, qui a proposé des choses intéressantes, notamment plusieurs belles passes, et qui nous a quand même bien aidé dans les transitions, et qui a été super intéressant sur ce match, même défensivement, donc Zaïdou Youssouf. Effectivement, Zaïdou qui revient en plus d'une longue blessure, donc ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Pierre, de ton côté, si tu devais garder un top? Alors, je suis d'accord avec les deux analyses précédentes, mais
Pour changer un petit peu, je choisirais Amouma, qui pour moi fait un bon match devant. Il a été dangereux, il a marqué. Et voilà, je pense qu'on a besoin de lui, donc il mérite sa prolongation. Je milite pour qu'il reste, parce que sinon, on va le remplacer par qui et avec quels moyens, je me demande. Effectivement. Amouma. Bon. Et je pense qu'on aura dans les semaines qui viennent un débat sur la prolongation d'Amouma. Mais pour toi, du coup, ce serait un grand oui. Et Sylvain, de ton côté? Je vais faire un petit peu plus original. Moi, en top, je mettrais le plan de jeu établi par Puel et les changements effectués. Je trouve que, un, dans le plan de jeu, ça a été géré, ça a été abordé et adhéré sur les joueurs de façon claire. Et deux, les changements à la mi-temps, il s'est rendu compte que ces deux joueurs de côté au milieu n'apportaient pas assez de profondeur pour les contrer. Il a mis des profils plus rapides. Et d'ailleurs, on a pu se créer davantage d'occasions et les marquer. Donc, ouais, je dirais ça. Alors, tu me fais une belle passe décisive parce que du coup, on va pouvoir parler un petit peu de l'animation et de est-ce que l'équipe de Claude Puel est en train de progresser? Je vous ai affiché la composition d'équipe au début du match sur le stream. Déjà, est-ce que dans le chat, on a globalement les mêmes tops que les chroniqueurs ou pas? Alors oui, on a Iba qui nous dit l'arbitrage hein, quand même, il faut en parler, il y a peut-être quelques petits litiges. Pascal qui nous dit si c'est top, donc Jerry Magic pareil, si c'est en top, en flop Neyou avec une attitude à revoir. Pascal encore qui déplore que Youssou soit sorti à la mi-temps dans le jeu. Et enfin Nitek qui nous demande ce qu'on a pensé d'Aouchiche qui a fait une entrée un petit peu mitigée. Effectivement, entrée un petit peu mitigée d'Aouchiche. Je vois aussi que Yamopir qui nous dit que Puel est en top. Est-ce que vous commencez vraiment à voir l'impact tactique de Puel sur ces jeunes? Puisqu'on le rappelle, toute l'essence de ce projet, c'est de faire progresser des jeunes, vu qu'on n'a pas une manne financière qui nous permet de faire des gros recrutements. Est-ce que vous les sentez progresser et est-ce que vous sentez globalement cette équipe, de manière générale, progresser? On va commencer avec toi, Madista. Alors, tu es mute. Je vois sur ta petite icône mute sur Discord. Tu es toujours mute, donc on va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, moi je trouve que qu'on sent que les choses se mettent en place. Les jeunes progressent, effectivement, on pourrait citer des Camara, des Neyou, Mukudi, enfin, si on peut encore appeler ça un jeune. Et plus généralement, moi je trouve qu'on a vraiment une équipe qui est en progression et on a une colonne vertébrale qui est solide. Colonne vertébrale, je pense aux défenseurs centraux, si c'est Mukudi. Au milieu de terrain, Neyou, Camara, et devant Amouma et Kazri par leur talent qui font qu'on est dangereux. Donc je trouve que Puel fait progresser les jeunes, et même que depuis quelque temps, il y a une ossature, et cette ossature fait qu'on est plus performant et qu'on peut être un petit peu optimiste pour la suite. Ben justement, ça c'est quelque chose qui a pas mal évolué ces derniers temps, c'est que on est l'équipe, je crois, des 5 grands championnats qui a fait jouer le plus de joueurs différents, avec une énorme rotation, avec énormément de joueurs utilisés. Et là, depuis quelques matchs, on a l'impression d'avoir un petit peu une, comme tu dis, ouais, une colonne vertébrale qui est en train de se créer. Est-ce que vous, si cette composition d'équipe restait quasi inchangée jusqu'à la fin de l'année, par exemple, le bout de synthé, toi, ça te conviendrait? Une fois que le maintien sera acquis, non, je pense pas que c'est la chose à faire. Je laisserai plus la chance à d'autres jeunes de se montrer. Une fois que le maintien sera mathématiquement acquis, évidemment, mais non, je pense pas qu'il faudrait rester avec cette ossature-là. Tu penses à qui pourrait prendre une place? Ah, on voit plus trop Gourna, on voit plus trop Mouefek. Enfin, Mouefek, s'il commence quand même à faire plus d'entrées, mais Gourna, il a un peu disparu ces derniers temps. Rivera plus dans le groupe, puis des jeunes du centre qu'on n'a pas encore trop vus. Je pense à Illery par exemple qu'on n'a pas trop vu, Tormin, des joueurs comme ça, même Saban qui s'est entraîné avec les pros. Une fois que le maintien sera acquis, j'aimerais bien voir un peu plus de jeunes.
Ok, mais je me permets de faire avocat du diable parce que tu as cité quand même pas mal de joueurs que j'aime bien, mais est-ce que ces joueurs-là, on les a pas vus plus tôt dans l'année et ils ont pas montré un peu leurs limites? Par exemple, moi je sais que je place beaucoup d'espoir en Rivera, mais pourtant on voit bien que c'est encore un J'ai peu pas entendu frêle, la fin de quoi. la question. Je disais, il y a pas mal de ces jeunes qui ont quand même été utilisés en début d'année, on a vu que c'était un petit peu juste encore. Pour ceux que j'ai cités, Gourna, Saban, Léry, Tormin, des jeunes comme ça, Gourna, je pense qu'il a quand même rarement déçu, et les autres, on les a finalement pas trop vus. Donc c'est plus pouvoir découvrir un peu de nouveaux joueurs et leur laisser leur chance sur la fin de la saison. Évidemment, là, sur les quelques prochains matchs qui arrivent, je pense qu'il faut encore garder cette ossature-là, parce que ça marche finalement. Les bons résultats coïncident avec cette ossature-là, mais une fois que le maintien sera vraiment acquis, non, je suis plus pour donner plus de temps de jeu à certains joueurs. Et évidemment, je parle pas de certains mecs comme Sissoko, par exemple, qui eux ont plus déçu. Mais des mecs qui n'ont pas trop eu leur chance Ouais. encore jusque-là. Ok. Je vois que dans le chat, il y a des messages qui ont l'air construits, qui font plus d'une ligne. Est-ce que c'est quoi ce qui remonte un petit peu du chat vis-à-vis de l'impact de Puel? Ouais, on a Pascal qui nous disait qu'il aimerait aussi que cette amélioration soit mise sur le dos de Puel et sur le travail qu'il a fait, mais il pense surtout que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, des cadres qui ont besoin d'aller chercher une dernière pige et qui potentiellement se sortent un petit peu les doigts pour aller chercher sans trop perdre financièrement, on va dire. Ok. Alors, on va passer un petit peu au flop. On n'a pas trop parlé du match dans sa globalité, donc n'hésitez pas à rajouter un petit mot là-dessus aussi. Mais si vous deviez garder un flop pour ce match, vous garderiez qui, Sylvain, pour commencer? Moi, en flop, je garderais. Enfin, c'est pas un joueur, mais la naïveté dont on fait preuve. Quand tu marques à la 78e et que tu encaisses un autre but à la 79e, quand tu marques à la 93e, tu encaisses un but à la 94e. Enfin, c'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique à ce stade-là. Je veux dire, tu vas égaliser chez le demi-finaliste de Ligue des Champions à 2 minutes de la fin pour avoir la récompense de ton bon match. Et tu arrives. Sur la dernière occasion du match, à te retrouver à 2 contre 1 sur une touche dans tes 10 mètres, à avoir aucune couverture sur le mec qui défend sur 2 contre 1, moi honnêtement, ça me fait halluciner. Hein. Ça me fait halluciner. Tu arrives à avoir 7 mecs sur 4, contre 4 dans la surface et que le mec il prenne le ballon de la tête et qu'il score. Enfin, je sais pas, ça me dépasse cette naïveté et j'espère qu'on apprendra de tout ça parce que malheureusement, si on n'apprend pas, on ne progressera pas. Bah d'autant que là, ça nous coûte un point quand même contre la plus grosse cylindrée du championnat. Donc c'est dommage, ça aurait pu être un point bien valorisé. Est-ce qu'on a retrouvé Madista? Est-ce que ton micro remarche? Oui, je suis là, mais j'avais un petit problème, j'ai essayé de me muter, ça n'a pas marché. Ok, Mais parfait. oui, j'ai un flop, moi, si vous voulez, je vais vous Ah, parler de. alors vas-y, dis-nous tout. Et ça va vous surprendre parce que moi, je vais parler de Camara parce que je n'ai pas trop aimé le match de Camara. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, il avait été inutile en première mi-temps. Quand il était au milieu de terrain, il a pas récupéré beaucoup de ballons. Dans l'utilisation du ballon, c'était mauvais à chaque fois. Quand il est passé sur le côté, c'était un petit peu mieux, il y a un peu de production offensive, mais quand même, le dernier but, il est pour lui pratiquement. Donc. Ça ne trompe pas. Il a fait un mauvais match, on a perdu et voilà. Donc on attend un peu plus de régularité et j'espère un meilleur match la prochaine fois. Mais oui, Camara. Bah, on est toujours plus exigeant avec les joueurs qu'on aime, hein, de toute manière. Un avis différent sur Camara, peut-être? Quelqu'un a apprécié son match ou pas? Je le trouve dur son avis quand même à Madista. De là à dire qu'il a été exécrable, je suis désolé, il n'a pas été exécrable, il a beaucoup couru. Et il a beaucoup travaillé dans un bloc bas. Voilà. Après, de là à dire qu'il a été exécrable, c'est excessif. Pour moi, aucun joueur n'a été exécrable. Ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Ils ont fait preuve de naïveté sur quelques situations. Ça nous coûte le match. Par contre, de là à dire que un de nos gars a fait une prestation exécrable, j'avoue que j'ai du mal. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je pense que non, c'est pas le seul. C'est pas le pire. Franchement, j'aurais pu citer d'autres joueurs, mais il y a eu pire que lui. Je vois énormément de gens dans le chat qui ont l'air de parler et de l'arbitrage dans les flops, mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière et la semaine d'avant
J'ai l'impression que ça devient un petit peu l'arlésienne de cette émission. Faudrait pas que ça s'installe trop. On espère qu'on va pas trop se faire avoir là-dessus sur le futur. Et je vois aussi des gens qui parlent de Kevin Monet-Paquet. C'est vrai que Kevin Monet-Paquet, bon, il commence à avoir son âge, il commence à avoir un petit peu plus de mal sur les sprints. Vous aussi, ça fait partie des flops ou de toute manière, vous l'attendez un petit peu à ce niveau? Moi, surtout, je voulais rebondir sur ce que disait Obout de Sainte. Il disait qu'il voulait voir d'autres visages, notamment pour la fin de saison quand le maintien sera acquis. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi on fait jouer Kevin Monet-Paquet. On sait qu'il est quand même sur la fin et qu'en plus, il ne sera plus là l'an prochain. Donc, je m'interroge sur sa titularisation. Après, je pense que l'idée, c'était dans un premier temps de bien défendre, de couvrir Troco, qu'on connaît quelquefois ses largesses défensives. Voilà. Mais j'espère que malheureusement c'est pas l'avenir de notre club et que les choses changeront dans les semaines à venir quand le maintien sera officiel. Ouais. Ouais, après c'est aussi peut-être ce genre de joueur qui a l'expérience de la Ligue 1 qui fait qu'on va peut-être se maintenir cette année aussi. Non. Je me sens pas emballé hein, par Kevin Monet-Paquet. Hein. Bah on sent qu'il revient de deux blessures. Il a quand même eu très peu de temps de jeu cette saison. Hein, je ne sais pas combien de minutes. Et voilà, on aime tous Monet-Paquet qui est un battant, on va dire. Mais force est de constater que cette année, quand on a fait appel à lui, c'était léger, voire très léger. Et voilà, je pense que Monet-Paquet, c'est malheureusement de l'histoire ancienne et il aura fait une belle carrière à Saint-Étienne, mais c'est temps que ça s'arrête. Kevin, je crois qu'il y a quelque chose à nous dire dans le chat. Ouais, on a une revendication et je peux que être d'accord. On a Joss qui n'est pas là, mais qui est avec nous par l'esprit, qui nous dit que personne ne cite Moukoudi, qui est quand même responsable sur deux buts. Notamment sur son placement, et il est appuyé par Arnaud qui nous confirme que lui aussi il a trouvé le placement de Moukoudi sur les deux buts assez litigieux. Et moi, si je peux me permettre, allez-y, aussi, allez-y. Un petit flop sur Traoko, je sais pas si vous vous rappelez, mais en première mi-temps, il foire un coup franc, il donne la balle à je sais plus qui, et Moukoudi qui fait un tac dans la surface. Et il glisse sur le coup franc et là ça aurait vraiment pu nous mettre dedans. Donc Traoko, je le mettrais dans mes flops moi personnellement. Moi je mettrais peut-être globalement les deux latéraux parce que tous les ballons c'était des ballons longs sur les latéraux dans le dos à chaque fois et on s'est fait prendre à chaque fois comme ça. Hein. C'était vachement comme ça le match et voilà. Donc Debuchy aussi. Hein. Ouais, je suis assez d'accord, ça fait un petit moment qu'on a un problème de latéraux à Saint-Etienne. Moukoudi, moi j'ai du mal à vraiment lui en vouloir plus que ça, parce que certes, bon, là il est difficile à défendre effectivement sur les deux grosses erreurs qu'il fait, mais quelque part, je le sens progresser, alors que Traoko, moi je te rejoins pas mal sur le fait que, bah lui pour le coup, je le vois pas progresser quoi, j'ai l'impression qu'il est au même niveau que quand il est arrivé il y a un an et demi quoi. Il a progressé quand même, Troco. Moi, je trouve qu'il s'est quand même européanisé dans son football. Hein. C'était très, très, très limité défensivement quand il est arrivé. Je ne dis pas que c'est formidable maintenant, mais c'est quand même un peu mieux. Je lis sur le chat, je ne sais plus qui dit qu'il sauve son match avec sa super passe décisive, et je suis d'accord avec lui. Il envoie un centre, c'est une merveille quand même. Et il est capable de jeter offensivement quelquefois des ballons qui sont intéressants. Après, les latéraux sont en difficulté, mais malheureusement, on va se rendre compte dans les semaines à venir, probablement avec l'absence de Debuchy, que dès qu'ils sont pas là, bah malheureusement, c'est pas mieux quoi. Si c'est pour avoir des joueurs qui sont replacés comme Camara et c'est pas son poste, ou qu'on ait Nelson Alpha Sissoko qui, à mon sens, n'a pas encore les capacités et ne les aura jamais d'ailleurs pour jouer en Ligue 1, là, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, de toute façon, le problème, c'est que c'est par défaut, nos deux latéraux, là. C'est vraiment par défaut, parce qu'on n'a rien derrière, quoi. Et avec, d'ailleurs, je reprécise encore une fois, mais que Kolodziejczak n'était même pas dans le groupe, il était même pas sur le banc. Et on va terminer un petit peu ce tour des prestations individuelles. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui demandait aussi notre avis sur la prestation d'Etienne Green, qui, mine de rien, c'est que le troisième match qu'on le voit faire avec notre équipe. Donc,
Est-ce que vous l'avez trouvé bon, pas bon, sans plus? About synthé, ton avis Bah, sur Green? on peut pas dire qu'il ait fait un bon match, évidemment, parce qu'il y a une sortie qu'il ne fait pas, bien qu'il ait, malgré qu'il était blessé à ce moment-là, la sortie sur le troisième but qu'il ne fait pas, plus le penalty qu'il concède. Mais dans l'ensemble, je le trouve beaucoup plus rassurant qu'un Moulin, par exemple, sur ses sorties, sur ses prises de balles, sur ses relances. Il fait encore une ou deux parades. Je le trouve toujours plus rassurant, mais évidemment. Évidemment, et cette non-sortie entre guillemets qui fait que on va dire match moyen. Ok. Les autres, vous êtes plutôt d'accord? Ou D'accord, plutôt d'accord moi avec Abou de Synthé et je tempérerai même sur cette sortie en fin de match où il manque, à mon avis, de bouteille. S'il a mal et qu'il doit rester un quart d'heure par terre pour se faire soigner, qu'il reste un quart d'heure par terre. Voilà. Malheureusement, quand on parle de vice, de lucidité ou de naïveté, je parlais de naïveté dans mes flops, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, t'as mal, bah, tu restes par terre. Et ça dérange Mbappé, ça dérange Di Maria, ça dérange je ne sais qui, tu restes par terre. D'autant plus qu'il n'a même pas la pression des supporters par-dessus ça qui vient lui dire, bon, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Non. Tu restes par terre, t'as mal, tu restes par terre. Si, s'il faut faire le changement à la 94e pour que le mec il puisse aller cueillir la balle sur le centre, eh ben on le fait et puis c'est tout. Mais bon, voilà, ça fait encore partie de l'apprentissage à mon avis. On rappelle, oui, effectivement, que juste avant le but d'Icardi, il se prend le poteau, je crois, de mémoire, et il se fait une grosse béquille. Et donc, sur le troisième but, il a un petit peu quelques douleurs. Quelque chose à rajouter au niveau du chat ou pas, Kevin? Non, c'est ce qui est souligné, la naïveté de Green. Bah après, ça reste un troisième match, hein, donc là, vous me forcez à dire du bien de son match, c'est terrible, le chat. donc voilà, tout le monde dit ça, on ne peut pas lui en vouloir, c'est que son troisième match, mais bon, c'est à surveiller quand même. Comment, Oh, pour, attends, attends, juste pourquoi tu dis c'est terrible, vous m'obligez à dire du bien de lui? non, parce que alors moi, Tu es sceptique? j'ai osé souligner qu'il était resté cloué au sol sur le tour centre du troisième but et que ça fait. Deux fois en trois matchs qu'il se fait avoir sur le petit crochet extérieur qui siffle penalty, alors même si le premier n'y a pas penalty, attention, hein. Mais il laisse traîner les bras. Alors bon, voilà. Après, Il est sans très bon pénalty. sur sa ligne, il est très bon au sol, mais j'ai un petit doute sur les sorties au-delà de ses 6 mètres, quoi. Il est quand même meilleur que Moulin sur les sorties, hein. Ça c'est à préciser parce qu'il n'hésite pas à les faire. Ah bah Moulin oui, sort ça c'est jamais de clair, ses buts. ça peut pas être Ruffier pire. sortait jamais de ses buts. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça, quoi. Messieurs, Cumulé je à vous tout ça. propose Ah, qu'on pardon. enchaîne, puisque ça fait déjà 22 minutes qu'on a commencé, qu'on enchaîne avec le duel, une nouvelle chronique dans le Synthé Night Club, qui va opposer deux chroniqueurs, en l'occurrence Pierre et Sylvain, pour nous parler de la vente du club. Jingle. Alors, pour ce débat, donc comme je vous le disais, on a Pierre de Synthé Inside contre Sylvain de Green Prospect, enfin contre, qui vont nous dire un petit peu les bons et les mauvais côtés de la vente du club, parce qu'avec cette histoire de Super League là qui est sortie hier, eh ben, ça a éclipsé un petit peu le fait que effectivement nos dirigeants Romeyer et Caiazzo ont publié une lettre ouverte sur leurs réseaux sociaux et dans Le Progrès, le journal de Saint-Étienne, pour dire qu'ils faisaient un bilan des dernières années à la tête du club et qu'ils étaient en train de chercher un nouvel investisseur. Est-ce que c'est une énième bouteille à la mer ou est-ce que ça va avoir un réel impact? Je vous laisse la parole, on va commencer par Pierre. Alors, donc moi, personnellement, je pense qu'une vente de l'AS Saint-Étienne peut être très positive pour notre club. Parce que de nos jours, pour exister dans le monde footballistique, il faut deux choses. Il faut dans un premier temps des compétences et dans un second temps un minimum de moyens financiers. Donc avec ces deux requis, donc la compétence et les moyens, on pourrait enfin avoir les prémices du fameux projet Puel qu'on nous vend depuis 2 ans.
Alors, moi, à titre personnel, j'ai jamais cru au projet Puel jusqu'à présent. Tout simplement, comment on peut croire à ce projet alors que chaque année, tu es obligé de vendre tes meilleurs jeunes? Donc, on a vendu les Fofana, les Saliba, on va peut-être vendre Gourna. Et en fait, moi, je me dis qu'avec un repreneur solide, alors, je ne demande pas un repreneur du niveau des Qataris au PSG, hein, mais je pense que notre coach, il pourrait enfin conserver ses jeunes, ses meilleurs jeunes. Donc, on parle des Mouefeg, des Masson, des Gourna. Il pourrait avoir quelques renforts. Donc, pour ça, je me fais pas de soucis, hein. Puel, il a du nez pour dénicher quelques talents, avec peu de moyens. Je prends l'exemple de Neyou. Et il pourrait également continuer le travail qu'il a mis en place dans la difficulté depuis ces 2 années. Tout ça pour dire en fait que le mix entre un bâtisseur, donc notre coach Puel, et une direction compétente pourrait amener la SSE à progresser. Donc c'est un exemple hein, que j'ai pris. Voilà, mais encore faudrait-il que Puel prolonge son contrat qui prendra fin en juin 2022. C'est ça, Voilà, parce que donc avec l'arrivée d'un nouvel investisseur, il y a aussi la possibilité qu'il y ait un nouvel entraîneur qui soit nommé. C'est ça, mais dans le cas où les nouveaux investisseurs gardent Puel. D'accord. Et toi, tu penses plus que ce sera un vrai rachat ou un investisseur qui arriverait avec... Ça, je sais pas du tout. Ok. Ça, après, faut voir, il faut voir. Et de l'autre côté, du coup, on a Sylvain de Green Prospect. On t'écoute. Oui, donc bon, moi je voulais réagir. Il a un petit peu anticipé mes arguments, mon ami Pierre, parce qu'il a évidemment évoqué les requis nécessaires pour que cette vente soit faite de façon cohérente et soit faite de façon intelligente. Mon premier argument, c'était surtout de parler de ce qui se passe chez nos amis bordelais, qui a été repris par un fonds d'investissement américain, qui n'ont absolument aucune connaissance du football, qui ont une identité discutable et qui surtout ont la volonté de faire de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à un achat, moi je pense que d'ores et déjà, il faut quelqu'un qui soit en mesure d'acheter le club. Donc à combien nos présidents sont capables de vendre, j'en ai aucune idée. On parlait de 20 millions, 40 millions, bref, peu importe. Mais au-delà de ça, il faut un groupe qui est capable de réinvestir et de combler les trous. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir utiliser le jouet, entre guillemets, il faut entre 60 et 70 millions, je pense, pour commencer à pouvoir recruter, à pouvoir donner de l'argent à Puel, comme l'a dit Pierre, pour commencer à investir, clairement, à investir. Voilà. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que en période de Covid, dans une situation quand même qui est précaire pour beaucoup de clubs, et pas seulement les clubs français peut-être encore davantage, mais pour beaucoup de clubs, je m'interroge sur des investisseurs autres que des investisseurs passionnés qui viendraient mettre de l'argent pour finalement, dans 99% des chances, en perdre. Faut pas se voiler la face. Dans 99%, t'investis, période de Covid, la Ligue 1 s'affaiblit, etc. Ça va être quand même très compliqué. Voilà. Tu Et fais tiens. bien de préciser que, effectivement, s'il y a des investisseurs, en plus du prix du club, il faut aussi rajouter, le prix de l'investissement donc qu'il y a derrière. Exact. Et tout ça même pour parler du commencement, c'est-à-dire de la lettre des présidents, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une pression qui est exercée par certains supporters, par certains groupes de supporters, et cette lettre elle vient un petit peu apaiser tout le monde, faire gagner en sérénité le club, calmer les ardeurs de certains. Ça y est, on a dit officiellement qu'on était à vendre, mais si ça se trouve, on sera vendu dans 1 an, dans 2 ans, et les rumeurs vont fuser à gogo, et moi j'avoue que ça me lasse déjà d'entendre les multiples repreneurs qui n'en sont pas, qui sont au stade de la rumeur ou pas. Ça m'agace, C'est j'avoue que vrai ça m'agace. que là, en une semaine, on a eu une quantité de repreneurs qui se sont prononcés. C'était incroyable. Avant que on donne un peu la parole au chat, moi, j'aimerais bien entendre l'avis de nos deux invités, Madista et Baout Sainté, par rapport à une vente potentielle. Est-ce que c'est accueilli comme un soulagement, comme une inquiétude? Comment vous le vivez, vous, un petit peu? Ouais, je peux commencer. Vas-y, vas-y.
Moi, je ne sais pas si ce serait forcément une bonne chose, une vente, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, de toute façon, il va falloir bien trouver quelqu'un qui pourra combler les dettes et essayer d'investir un petit peu. Mais le problème principal, c'est que qui va acheter un club français qui fait pas de profit, qui a des dettes tous les ans, qui perd des sous tous les ans, donc tous les ans, on remet des sous. Les passionnés, j'y crois pas parce qu'il n'y a pas vraiment de passionnés. On voit tous les clubs qui sont rachetés, c'est des fonds d'investissement. Même les soi-disant passionnés, la famille Pinot à Rennes, ils mettent jamais d'argent. Enfin, c'est toujours ça le problème. C'est qu'il faudrait aussi faire peut-être le ménage dans le club parce que si on rachète. Et qu'il y a toujours les mêmes magouilles en interne avec les agents des jeunes. On peut faire ce qu'on veut, on peut mettre Puel, on peut mettre qui on veut. S'il n'y a aucune structure, s'il n'y a aucun projet cohérent, on peut ramener autant d'argent qu'on veut. Et même ramener trop d'argent, ce serait peut-être un problème parce qu'on pourrait finir comme le PSG à payer des transferts beaucoup trop chers par rapport à ce qu'on a. Donc je m'interroge un petit peu sur la cohérence d'un gros investisseur. Moi, j'aimerais bien quelque chose de cohérent, un projet cohérent où la personne puisse mettre des sous. Mais sans en mettre trop, parce que si elle en met trop, il faudra des revenus, il faudra beaucoup de revenus pour combler ça. Donc voilà, moi je m'interroge un petit peu. Puis, voilà, on a vu cette semaine beaucoup une valse de repreneurs qui étaient là, mais au final ils ont tous démenti, donc il n'y a personne au final. Et, ouais. Comme disait Sylvain, ça ne sera pas vendu avant un an au moins. Un qui doit avoir un petit peu les boules, c'est Laurent Rousset avec son pote là, dont j'ai oublié le nom. Oli. Oli. C'est sa folie qui avait fait leur petit coup de com il y a genre 2 mois et qui ont dû accueillir cette lettre de Roland Romeyer et Bernard Caezo de manière assez assez salée, comme on dirait Après, sur Twitch. pour rajouter, là, je vois dans le chat certains qui s'interrogent sur le fait de préférer Romeyer. Il est vrai qu'il ne faut pas non plus être dans le déni et admettre qu'aujourd'hui, notre direction, elle commence à être obsolète. Enfin, commence, c'est peut-être gentil de dire qu'elle commence seulement à être obsolète. On a besoin d'un nouvel élan. Moi, maintenant, je m'interroge sur la faisabilité et sur la cohérence des projets qui vont s'inscrire plus tard. Je ne dis pas que la direction en place actuellement est la solution pour s'en sortir, mais par contre, avec qui, comment et dans quel sens? C'est surtout ça mon idée. Ouais, c'est le fameux on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve, quoi. Exactement. About Sainte, toi, t'en penses quoi de cette potentielle vente? Bah, d'accord, globalement avec ce qui a été dit, vendre, dire qu'on souhaite vendre, c'est bien, ça va calmer les ardeurs de certains supporters, comme ça a été dit. Après, faut voir à qui, pour quel projet, si c'est pour faire des Bordeaux, Nice ou Marseille, avec parfois trop d'argent mal utilisé, je pense pas que ça en vaille la peine. Après, en effet, voilà, faut voir le projet qu'il y a derrière et il y a aussi la question d'un investisseur. Pas est-ce qu'on serait prêt à accepter ça qui peut se poser. Il y a plein de questions et malheureusement on n'a pas les réponses et on les aura pas tant qu'on n'aura pas de nom précis. Et les rumeurs qui sont sorties dernièrement, j'y accorde peu de crédit personnellement. Ouais, évidemment. Et tu fais bien D'accord. de préciser aussi que est-ce qu'on acceptera aussi tout type d'investisseur? Est-ce que même si je suis pas sûr que notre club intéresse forcément des fonds souverains, est-ce que avoir un financement saoudien ou qatari serait accepté par le peuple vert? C'est une vraie question. J'aimerais qu'on fasse un petit point oracle. J'aimerais qu'on fasse un petit pronostic sur cette vente. Est-ce que pour vous, dans combien de temps, on va faire un petit tour de table rapide, dans combien de temps on aura une nouvelle de l'investisseur et quand est-ce qu'on aura enfin le papier signé? Est-ce que c'est plutôt dans 2 semaines ou est-ce que c'est plutôt dans 10 ans? Alors on va commencer bah avec toi, Bad Santé, justement. Toi, tu penses que ce sera dans combien de temps? Pour la vente bouclée définitivement. Ouais. Allez, on va dire 1 an. 1 an? Ah ouais, rapidement donc. Ok, cool. Madista? Moi, je vais être un peu plus loin, je dirais 2 ans, et je vais expliquer rapidement pourquoi. Parce que les dirigeants, enfin Caiezo notamment, nous disaient qu'ils avaient déjà mandaté une banque pour trouver un racheteur il y a quelques années. Sauf qu'on a lu dans le communiqué dernièrement qu'ils avaient seulement mandaté la banque maintenant pour retrouver un racheteur, donc ouais, au moins 2 ans. Je pense que Ok. le temps qu'il trouve quelqu'un, qu'il signe les papiers, qu'il fasse tous les détails juridiques, au moins 2 ans. Sachant qu'on est évidemment dans de la supposition pure, hein, ne prenez pas nos paroles comme lettre de noblesse. Pierre, toi, tu penses que ce sera pour quand? Moi, comme About, je dirais à peu près 1 an, parce qu'il y a l'air d'y avoir des pistes, et il y avait un petit papier dans l'équipe qui indiquait que au plus tôt, une vente pourrait avoir lieu en février 2022. Donc moi, je dirais qu'on a 7 saisons à passer, et d'ici 1 an, je pense qu'on aura un nouveau repreneur. Et toi, Sylvain?
Moi, je pense que ça sera conditionné par le Covid. C'est-à-dire que tant que les clubs retrouveront pas un semblant de normalité dans leur fonctionnement général, on ne pourra pas parler de vente. Et quand bien même on en aura retrouvé une, ça sera pas dans les semaines qui suivront obligatoirement. Donc j'ai du mal à avoir un chiffre précis puisque malheureusement on a du mal à avoir une visibilité à long terme sur cette période. Donc ouais, voilà, C'est à vrai voir. que vendre la SSE avec qui a pour principal argument commercial, j'ai envie de dire, son peuple et ses supporters en période de Covid, c'est vrai que c'est pas la meilleure période, on va pas se mentir. Bah, après c'est moins cher aussi, hein. C'est vrai. C'est Donc, moins à cher mais voir. moins attrayant. C'est vrai. Mais bon, la SSE, ça reste une marque, ça reste un palmarès. Pour nous, de plus en plus, je crois. Pardon? Je dis, ça reste une marque, un palmarès pour nous, supporters, de plus en plus. Pour les mecs de C'est la vrai. région, de plus en plus. Mais pour les mecs qui ont de l'argent, de plus loin, est-ce que c'est vraiment une marque, un palmarès? Je me pose la question, moi. Pas forcément, mais des mecs qui recherchent un club de foot, il y en a quand même beaucoup. Et la SSE, ça reste un club qui joue dans l'un des 5 grands championnats européens. Et je pense qu'il y a possibilité de trouver quelqu'un. Commercialement, on a quand même une étoile sur le maillot et ça, tous les clubs ne l'ont pas. Au niveau du chat, j'imagine que la vente doit être bien accueillie. Oui, alors j'ai essayé de nuancer un peu le propos. On a Nero et Magic Fafan qui se rejoignent, qui disent quand même que le projet PUEL c'est d'être garder les jeunes. Donc si on doit en passer par là pour le faire, bah, il faudra. Mais on a un très bon message d'Arnaud que j'ai mis de côté qui nous dit que qui dit selon moi, il faut trouver un racheteur prenant en compte l'identité des Verts. Si c'est pour se retrouver comme les supporters du PSG avec la dissolution des groupes, il faut redorer le blason et reverdir notre club, pas le transformer. Et je trouve ça assez vrai. Attention aussi Emba qui nous dit que le problème des nouveaux repreneurs, c'est que souvent ils veulent imposer des hommes de confiance et que ça peut chambouler l'organigramme interne. Et surtout pour ce que vous disiez au niveau de quand la vente se fera, Joss a raison dans le chat, il nous dit que tout dépendra après la renégociation des droits TV surtout. Oui, donc on a Parce un que petit moment. c'est. Voilà. Alors, sachant que les chamboulements dans l'organigramme, c'est peut-être pas. Enfin, on est habitué, quoi. On sait faire. On a de l'entraînement pour les changements dans Plus pour le l'organigramme. projet PUEL où là ça peut chambouler quoi. Entre Si c'est des gens Soucas, compétents, Frédéric pourquoi pas? Paquet, Tuilot. Après, si c'est pour accueillir des gens compétents, pourquoi pas, hein. Bien sûr. Messieurs, quelque chose à rajouter sur cette potentielle vente ou en tout cas cette annonce de vente? Non. Non. La vie est belle. Eh bien écoutez, je crois qu'on va se tourner vers notre prochain match qui sera le match des retrouvailles avec Franck Honorat. Ce sera la semaine prochaine, le match contre Brest. Je cherche ma scène, elle est ici. Jingle. Alors messieurs, le prochain match contre Brest, on sort de plusieurs matchs qui étaient quand même plutôt réussis malgré la défaite. Hier, on a quand même vu un match plutôt agréable de la part de notre équipe, en tout cas avec du suspense et on s'attendait peut-être pas à avoir ce suspense-là. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce match? Par exemple, Baut Saint-Étienne, tu nous disais que tu imaginais une modification un petit peu dans la compo d'équipe une fois que le maintien serait acquis. Donc pour toi, tu restes sur cette composition-là tant que le maintien est pas acquis. Ouais, pour Brest, non, je resterai globalement avec la même chose, avec nos Amouma, nos Kasri, nos KMP, nos Cissé, etc., qui seront peut-être plus là l'année prochaine. Et justement, si là on a l'opportunité de prendre les 3 points, c'est après justement que il y aurait peut-être matière à lancer d'autres joueurs. Ok, toi, ce match, tu le sens comment vis-à-vis de Brest? Je sais pas si t'as pu suivre un petit peu Bah, cette équipe cette saison. je. Ouais, globalement ça joue bien. Après, il reste sur une mauvaise série. J'avais cherché 3 points sur les 6 derniers matchs. Donc c'est quand même assez catastrophique. Ils ont jamais gagné à Geoffroy Guichard.
Donc forcément, il faut attendre la victoire et je pense qu'il y a largement la place pour quand on voit nos. Allô? Oui. Oui, je crois que ta phrase a coupé à quand on voit nos. Nos dernières prestations, je dis. Ok, Quand c'est on bon. compare les formes actuelles des deux équipes, il n'y a pas photo, quoi. Madista, toi, ton avis un petit peu sur ce match de la semaine prochaine? Moi, je pense que ça va être un match compliqué, malgré que Brest est dans du mauvais espace. Je pense que si on fait comme à l'aller, qu'on se laisse faire au début du match, on va encore en prendre deux d'entrée, ça va être compliqué. Mais moi, j'aimerais bien voir des joueurs qu'on n'a pas trop vu là. Aouchiche qui n'est pas titulaire, j'aimerais beaucoup le voir titulaire contre Brest. Peut-être Charles Abi aussi, même si je ne suis pas un grand fan. Ce serait intéressant de le voir. Peut-être même Mbenga, qui Mbenga a plutôt fait une entrée correcte, même si bon, il y a toujours du déchet technique devant le but. Mais oui, moi, j'aimerais bien pouvoir laisser trois joueurs là et voir ce que ça peut faire dans un match. Un peu plus ouvert, je pense. Ok, évidemment je demande pas, mais toujours Green hein, dans les cages, hein, vu que de toute Bien manière les sûr. autres sont sur la touche. Pierre? Alors, moi, je suis plutôt confiant. Donc, un peu comme Baoud, j'attends les 3 points et de la victoire pour définitivement assurer le maintien et après jouer libéré. Je pense que Brest est prenable, surtout qu'ils ont pas mal d'absents. Ils ont Mounier qui est suspendu, Jean-Lucas au milieu qui est suspendu et Romain Fèvre qui est incertain. Donc ça fait beaucoup, ils sont quand même pas mal diminués. Et de notre côté, je me demande simplement qui on va mettre en tant que latéral droit, vu que je pense que Debuchy sera pas forcément remis de sa blessure à la cheville. Et j'espère aussi que Green sera partant et que sa béquille. Sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Oui, une béquille, a priori, c'est pas très grave. Je vois juste dans le chat, Bonga est suspendu. On peut vérifier cette info? Juste, c'est Ouais, juste, c'est juste. Oui, désolé, suspendu. excusez-moi. Ok. J'allais le dire, ouais. Et du Ouais, coup, c'est Sylvain, juste ouais. Bonga est suspendu et je rajouterais aussi l'absence de Paul Lannes à Brest, qui est quand même un élément fondamental de leur équipe. Donc, je pense que c'est pas à négliger. Ils ont également RL derrière qui est blessé, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que c'est des Brestois décimés qui vont se présenter. Après, voilà, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut quand même avoir un esprit revanchard du match aller où on s'est quand même fait humilier sur une seule mi-temps. Et moi, j'avoue que cette mi-temps-là, c'est peut-être la plus dure à vivre si on enlève le derby de cette saison. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme l'a très bien dit Abo de Sainte, c'est que maintenant, il faut officialiser ce maintien. Et en cas de victoire, je pense qu'on pourra largement dire que ça y est, on est maintenu et qu'on peut préparer la saison prochaine sereinement, même si, à mon sens, voilà, la marge pour se maintenir est quand même quasiment actée, mais il y a toujours ce bénéfice du doute qu'il faut lever. Et Voilà. justement, tu permets de faire la transition. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est là, le seul objectif de fin de saison, c'est assurer le maintien, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que on se dit que le maintien c'est bon et qu'on peut quand même essayer de viser un petit peu le ventre mou du championnat, sachant que je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas forcément dans le chat, mais être 13e ou 16e. Mine de rien, ça change pas mal de choses en termes de droits TV. Donc même si ça change rien sportivement pour la saison prochaine, ça change quand même un petit peu en termes de revenus. Est-ce que tu penses qu'on peut commencer à voir plus haut ou faut toujours co continuer à regarder derrière? Bah, de toute façon, à partir de là, je pense que la préparation de l'année prochaine est nécessaire. Elle se fera, je pense, à 99% sûr avec Claude Puel à ses manettes. Donc, à partir de là, lui, il connaît son effectif. Il va pouvoir vraiment, même si je pense que c'est déjà le cas, quantifier les postes où il manque de la qualité et surtout avancer sur les prolongations non de contrat nécessaires. Maintenant, aller chercher le top 10, aller chercher le top 12. Bien sûr qu'on espère qu'on finira le plus haut possible pour dégager un minimum de moyens financiers, mais la réalité, c'est le calendrier. Et Ouais. le calendrier, il est ce qu'il est aussi, hein. On l'a vu la semaine dernière, effectivement, le calendrier, il fait un peu peur. On va faire un tour des pronos. Bah, Sylvain, je reste avec toi. Un petit pronostic pour la semaine prochaine. Victoire 2-0. Victoire 2-0 pour Brest. Ok, c'est noté. Victoire 2-0 pour Saint-Étienne, évidemment. Pierre, un petit pronos?
Allez, 2-1, Kazri, Amouma. 2-1 Kazri Amouma, ok. Et une envie de voir plus haut ou pas? Ou maintien, maintien? Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, d'abord les 3 points. Et après, je suis sûr qu'on peut. Les matchs d'après, Montpellier-Marseille, je suis sûr qu'on peut embêter ce type d'équipe. Donc, voir plus haut après la victoire de ce week-end. Super, bah si l'appétit vient en mangeant, faisons-nous un gros kebab alors contre Brest la semaine prochaine. Madista, un petit prono? Moi, je vais dire un petit match nul de 2 parce que Brest vient d'enchaîner 2 matchs nuls. Nous, on est nuls, donc ça ira bien ensemble. Voilà. Eh ben c'est d'un pessimisme ce soir, Madista. T'as Désolé. pas aimé le match de Camara, tu nous pronostiques un match nul, c'est terrible, hein. Ah non, je suis sorti très, très mal de ce match contre Paris, donc là, je suis totalement pessimiste. Ah bah c'est sûr qu'on y a cru jusqu'au bout, hein. Ça mouche un petit peu les espoirs. About Sainté, un petit prono toi? Moi, ce serait un 2-1, Abby et Nordin buteur. Abi et Nordin buteur, avec un Nordin qui entre en cours de jeu et Abi aussi ou oui, il commencerait. Abby titulaire, Nordin remplaçant. Ok. En super sub, Nordin, on a déjà vu qu'il pouvait faire des différences en rentrant et je le préfère comme ça d'ailleurs. Oui, mais je crois que c'est un peu le rôle qui lui est dévolu sur cette fin de saison, hein. C'est rentré à la 70-80e et apporter un petit peu d'accélération. Il est 21h46, on a même dépassé de quelques toutes petites minutes. Merci à tous d'avoir été avec nous. Attendez, 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 attendez. Avant que je parte, déjà, je vais quand même demander à vous l'avis dans le chat. Qu'est-ce que ça dit Kevin dans le chat à propos des pronostics? Alors succinctement, on a Razor qui nous dit 1-0 pour Saint-Etienne, Jiré Magique 4 à 2, Magic Fafan 2-1, Joss qui nous dit 2-0, Hydro 3-1, Tommy 3-0, Mopir 4-1 et Hervert 3-1. Donc aucune défaite annoncée, aucun match nul, on est plus que confiant. Il Donc faut le croire plus que la bonne pessimiste de dynamique, la soirée, voilà. c'est Madista. Ouais. Malheureusement, j'en ai bien peur. Incroyable. Incroyable. Espérons qu'il ait tort. Espérons Ah qu'il bah, ait tort, évidemment. j'espère que j'aurai tort. Je serais le premier content si on gagnait, mais on est un petit peu, on est un petit peu lucide des fois. Après, être un petit peu lucide dans ce genre de match. C'est les matchs qu'en plus on n'aime pas jouer, donc. Ouais. Voilà. C'est vrai. Eh ben écoutez, sur ce, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci à tous et toutes d'avoir regardé ce Saint-Etienne Night Club, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour une victoire. Merci beaucoup à About Saint-Etienne et à Madista d'être venu en invité ce soir. N'hésitez pas à aller bien sûr sur Peuple Vert, sur Saint-Etienne Inside, sur Green Prospect, sur les comptes Twitter de ces gens, About Saint-Etienne et Madista également. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut. Ciao. Salut, merci beaucoup.